Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui qui sera une vidéo réaction au nouveau trailer qui est sorti sur Granblue Fantasy Relink. Je vous avais déjà fait une première vidéo pour parler de ce jeu. Pour ceux qui se souviennent, c'était un peu une miniature avec un gros dragon. C'est un RPG qui me botte énormément, ça fait partie aussi des jeux que j'attends et puis peut-être que ce trailer va nous amener un petit peu plus d'informations. Donc on va pouvoir découvrir ça ensemble. Là, j'ai pas mal hâte. Un petit peu fort. Est-ce qu'elle a été... Pas de sous-titres. Bon, c'est en anglais, hein. Oh, visuellement, c'est toujours ouf, hein. Donc il y aura sûrement deux avatars, un homme et une femme, ça sera les PJ qui pourront nous accompagner. Oh, what? Ah, c'est grave stylé visuellement, là c'est oufissime. Je pense qu'on va le refaire un deuxième visionnage parce qu'il y a des trucs, faut que je mette pause là, des trucs que j'ai repérés donc je suis pas très sûr. Ah, c'est incroyable visuellement là. Ah, c'est ma maid! On aurait du Lulu de FF9, tu vois. Oh, j'ai tellement hâte de ce jeu. Ah, c'était ce dragon-là, d'ailleurs. Oh, c'était dynamique, hein. Est-ce qu'on a une date? Ah! C'est trop vague! Bon, mais une occasion de plus de ramener la PS5 dans mon bureau et pas dans le salon. Ok, reprenons, parce que... c'était assez rythmé. Je vais baisser totalement la musique, là. Ok. Alors déjà, on a l'impression que... Bon, déjà, visuellement, la patte graphique, elle est ouf. La patte artistique, elle est folle aussi. Et non, on a l'impression que c'est un énorme open world, quoi. Qu'on va pouvoir aller partout où on voit le monde. Peut-être pas dans le fond, complètement là-haut, monter au sommet qui est dans les cieux. Quoique, peut-être. Et là, ça serait totalement incroyable. Mais rien que les deux îles là devant, au loin, celle-là semble totalement accessible, hein, ce qui fait déjà une bonne terre à parcourir. Hein. En même temps aussi, quand on voit le monde de Genshin Impact dans lequel je joue en ce moment, c'est clair que maintenant ça donne envie. Là c'est pareil, encore une fois. Est-ce que c'est un visuel artistique de d'arrière-plan, dans un... Parfois des zones fixes, on a vu ça sur certains RPG. C'est-à-dire qu'en fait, la zone jouable, c'est juste ce que tu vois là devant toi. L'écran ne bouge pas et tu te déplaces comme ça et derrière t'as toujours des fonds incroyables. Mais j'aimerais penser que non. Puisque voilà, ah, le petit combat là, petit combat dynamique. On voit qu'il a une épée de base d'ailleurs. Elle a l'air d'avoir... Est-ce que l'équipement pourrait changer? Ça serait vraiment stylé. Donc là pareil, encore une fois, un visuel de ouf pour les persos qui nous accompagneront. Des combos, ça va faire plaisir aussi ça. Malgré que ce soit pas un jeu de combat, ça rend toujours le truc un petit peu plus dynamique. Visuellement, propre, pas surchargé, je trouve, pour que ce soit assez lisible, parce que dans des trucs comme ça, d'effets spéciaux, pour l'instant, c'est vrai que si tu contrôles 2, 3, 4 persos, ça risque peut-être d'être le bordel, mais là, ça rend plutôt bien. Alors, encore une fois, petit combo, tac, les animations sont pas mal du tout. Encore une fois, visuellement, c'est plutôt pas mal. Beaucoup de détails. Alors, regardez-moi ça, ces détails ici. On a l'impression de revenir à l'époque de ce qui m'avait un petit peu charmé sur Bravely Default, vous savez. Genre,
une image fixe dans laquelle tu déplaces ton personnage, mais avec des zoom in, zoom out, et certains paysages fixés comme ça qui sont juste incroyables, dans lesquels tu déplaces ton perso. Ah ouais, ça c'est... Ouais, c'était déjà un petit coup d'œil pour moi. Alors j'ai pas eu le temps de voir... Est-ce que je peux pas remettre en arrière? Ah non, ça a coupé le son. Ah, ce personnage est incroyable. Vraiment me fait penser à Lulu de FF9. Hein. Un gameplay de mage, un gameplay de pistolero, backdash. Et elle a des ronces, genre de sorcière. Et là, vous voyez que le visuel de notre avatar a grandement évolué. Alors, on voit pas sur la nana, mais là, vous voyez que du tout début, quand il faisait des combos, il avait sa petite tenue, son pantalon et son épée classique. Regardez là, le fourreau qui a complètement changé. Et cette armure incroyable. Donc, est-ce qu'on peut évoluer visuellement notre héros avec chaque pièce de stuff qu'on porte, ou est-ce que c'est juste au bout d'un moment, on avance dans l'aventure, il lui donne un nouveau skin? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que celui-là, il est plutôt pas mal. Donc là, on nous montre quelques boss, quelques techniques. Donc la sorcière. Et on a. Ben voilà, je vous disais, je vous parlais de la fille, on l'avait pas vue. Mais si on l'a vue, regardez cet attirail ici. Puisqu'elle a un complet nouveau stuff par rapport au premier combat qu'elle a fait. Elle aussi, pareil, avec un nouveau fourreau, hein, qui est rose. Voilà, encore une fois, petite technique de buff sûrement. Puisque vous allez gérer votre team avec des combos avec les 4 persos. Ah, ce boss était incroyable, hein. Il y a une vidéo là-dessus si vous souhaitez la voir. Et ce dragon, ok, l'air d'avoir des bons boss. Donc ça, c'est l'attaque ultime. Ouais, ça donne grave envie. Là, il nous montre pas mal de choses sur les persos. Après, on en connaît un petit peu moins. Ah, 2022, je pense que je vais bientôt vous faire la vidéo. Peut-être je la garderai pour Noël. Peut-être la liste des jeux que j'attends impatiemment début 2022. Parce qu'il y en a... Ouf, je les attends. C'est assez ouf. Et là, commence à en avoir une petite liste. Je me demande si on n'est pas loin d'une dizaine de jeux que j'ai envie de tester qui sortiraient dans le premier trimestre 2022. Ou du moins les 4 premiers mois de 2022. À voir, à voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et on se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde, à la prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous.